Un nouveau Prime de danse avec les stars 2024 était diffusé sur TF1 ce vendredi 15 mars. Une soirée riche en rebondissements, qui s'est conclue par une nouvelle élimination, après celle de Caroline Margeridon la semaine dernière. Habituellement, les candidats de danse avec les stars ont pour unique mission, à l'aide d'un classement, de satisfaire le jury et le public, pour obtenir de bonnes notes et ainsi essayer de poursuivre l'aventure pour aller le plus loin possible dans la compétition. Mais ce vendredi 15 mars, à l'occasion du 4e prime de cette 13e saison, ils ont dû s'affronter en duel. Ce n'est toutefois pas la première fois que ce dispositif est mis en place depuis la création de l'émission. Voici ce qu'il se passe dans ces cas-là, les participants font un premier passage, et les jurés décident qui a remporté chaque duel. Les vainqueurs sont alors qualifiés, tandis que les perdants ont l'opportunité de se rattraper avec une deuxième prestation. Suite à ce second passage, des notes sont attribuées et les deux couples qui obtiennent la moins bonne note sont alors soumis au vote du public, qui a ensuite la lourde tâche de trancher et d'ainsi désigner le duo qui quitte l'aventure. Ce soir, les oppositions étaient les suivantes, Keyona face à Inès Reg, pour un duel entre les deux meilleurs éléments de cette promotion 2024, Natacha Saint-Pierre face à Nico Capone, Roman Dodwick face à Black M, et Adeline Toniuti face à Christina Cordula. Enfin, et en raison d'un nombre impair, Diane Lair, James Denneton et Cœur de Pirate se sont tous les trois affrontés. Deux d'entre eux, seulement, ont pu se qualifier dès la première manche. Le couple restant a donc été soumis à un deuxième passage, qui a été éliminé, après Caroline Margeridon. Rappelons que la semaine dernière, c'est Caroline Margeridon qui avait été éliminée de la compétition, une injustice, selon sa fille Victoire. Quelle star a donc subi le même sort qu'elle à l'issue de cette 4e soirée? Eh bien, il s'agit de Cœur de Pirate. Aux côtés de son partenaire Nicolas Archambault, la chanteuse québécoise, connue pour son titre Comme des enfants, n'a pas su convaincre les jurés, puis le public. Un résultat que l'on pourrait qualifier d'inattendu, étant donné que c'est Christina Cordula qui a failli être éliminée lors du précédent prime, et que James Denton, pour son retour de blessure, avait obtenu un très mauvais résultat. Mais il l'est moins lorsque l'on sait que Cœur de Pirate figurait déjà en bas du classement, avant même le lancement de cette nouvelle soirée. Et qu'elle a obtenu des notes assez problématiques ce soir, dont un 3 qui lui a été attribué par Chris Mark. Elle a été éliminée face à sa compatriote Natacha Saint-Pierre, qui est blessée, a-t-on appris ce vendredi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau prime et une nouvelle élimination.